pays nous Haïti perdit jeudi vendredi à Yogan Gola 0 contre équipe Chine. Eh bien ça vraiment désolé tout haïtien parce que nous tapons dans victoire dans les Grenadiers nous mais yo arrivé perdu. Est-ce que Haïti a éliminé? Est-ce que Haïti est éliminé déjà? Non, Haïti était une dernière chance mais ça va dépendre. Est-ce que équipe anglaise elle-même il pral capable de battre l'équipe la Chine parce que nous connaissons troisième match de l'équipe Haïti elle-même. Il pral jouer contre l'équipe Danemark qui déjà gagné 3 points. Et bien, mais comment classement groupe D elle-même il présenté et nous pral font une analyse pour nous faire comprendre comment Haïti elle-même est capable de qualifier dans le groupe là pour ta jeune deuxième place là malgré lui. Difficile, mais il est capable de vivre facile parce que c'est football. Mais comment classement est? Eh bien, c'est l'équipe Angleterre qui déjà qualifié avec 6 points. Différence de goal, c'est plus 2. Équipe Danemark, lui-même, lui gagne 3 points en deuxième position. Différence de goal, c'est plus 0. Équipe en Chine, lui-même, lui finit avec 3 points en troisième position. Différence de goal, c'est plus 0. Et puis, équipe Haïti Chérinois, lui-même, lui retrouve dans la 4e place à côté de lui gagne. 0 points différence de goal, nous c'est moins 2 parce que nous te prenons un green goal dans l'équipe anglaise là. Et bien, je dis encore, nous prenons l'autre green goal dans l'équipe chine. Et bien, mais comment l'équipe haïtienne lui-même est capable de qualifier? Est capable de jouer un billet qualification dans la 2e place là. C'est si l'équipe anglaise là lui-même est à battre l'équipe chine dans le 3e match là, mardi 1er août là. Et nous connaissons Haïti lui-même la rentrée dans la bataille. C'est pas le 1er août là encore mardi. Hein? Même mardi, ça, équipe haïtienne va jouer contre l'équipe Danemark à côté de 7 boules dans le matin. Eh bien, équipe haïtienne a tout dévoile pour ta battre l'équipe Danemark ça. Et pour le est-ce que Chine même est capable de perdre devant l'équipe anglaise. Parce que nous connaissons Chine même, lui déjà avec 3 points. Différence de goal, c'est plus 0. Eh bien, si l'équipe anglaise a même ta battre l'équipe Chine, des green goal à 0 ou des green goal à 0, eh bien, différence de goal, l'équipe Chine a fini avec moins 1 ou bien moins 2. Eh bien, l'équipe haïtienne, s'il t'a battu l'équipe Danemark, nous connaissons Danemark qui a 3 points, différence de goal, c'est plus 0. Eh bien, si Haïti qui même t'a battu 2 à 0, eh bien, différence de goal Haïti a fini avec plus 0. Et équipe Danemark là lui-même différence des goals a fini avec moins 2 et bien Haïti même l'a qualifié parce que différence des goals a fini plus 0 et bien c'est comme ça Haïti lui-même est capable de qualifier et bien je veux dire quel était ici même après match football ça l'était parlé quel était ici fait qu'on est et bien il est vraiment désolé au match football ça qui a perdu et bien c'est dans le même réaillé et bien même pour un capitaine noir, Néglia Mondesi, il fait qu'on est vraiment fâché parce qu'il y a 3 reprises, il était capable de faire pénalité. Néglia Mondesi fait qu'on est laissé l'autre équipe, yo, et bien il va faire pénalité. Il a le Nava. Et 3 actions ça yo, qui menaient pénal, il n'y a pas de bail. Même Nava, il va aller. Et bien, c'est comme ça, capitaine noir, t'a parlé. Il est vraiment fâché. Je dis à nos pédis. Et bien, merci à vous-même qui avez regardé la vidéo. Ça, pas oublier like, abonner. Et puis, pas oublier l'été. Jésus dans la vie. À la prochaine. Ciao, ciao.